I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! A spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que ça va bien à la maison. Je vous souhaite la bienvenue à ce WrestleRock Podcast. Je suis Nostradaben et je vais animer cette émission en compagnie de mon grand ami de toujours, Johnny D. Comment ça va, mon Ben? Ça va très bien. De l'action nous attend la WWE ce week-end. Oui, chers amis, du côté de l'Australie aura lieu ce week-end en différé. Elimination Chamber, mesdames et messieurs. Du côté de Perth. Oui, de Perth. Je crois que c'est la première fois en plus qu'ils mettent les pieds dans la région de Perth pour un événement de la WWF. Alors, rentrons vivement dans le sujet. Vous écoutez le WrestleRock Podcast Season 5. Et allons-y comme suit. Donc, est-ce que tu veux y aller où je vais? Oui, il va y avoir The Grayson Waller Effect. C'est le talk show, de un peu comme le Highlight Reel. Yes! Avec comme invité Cody Rhodes et le champion World Heavyweight Tag Team. Oui, c'est ça. Donc, il peut se passer beaucoup de choses parce qu'on sait que The Rock n'est pas annoncé pour Elimination Chamber. Donc, dans ce segment-là, je m'attends à ce qu'il y ait certaines réponses pour WrestleMania. Roman Reigns, est-il annoncé? Ça semble que non. On verra bien ce qui va se passer. Il va probablement se prendre des belles prises de décision lors de cet événement-là. Et concernant des prises de décision, il va s'en régler des problèmes du haut de ses 7 pieds. Il va avoir presque 7 pieds, on va dire. Drew McIntyre va affronter la légende de la lutte, Randy Orton. Bobby Lashley, le Québécois Kevin Owens et Logan la vedette internationale Logan Paul, ainsi que LA Knight dans le Elimination Chamber. Et on sait que... Chamber masculin, bien sûr. Oui, c'est ça. Et on sait, Benoît, corrige-moi si je me trompe, mais la personne qui va remporter ce combat-là va pouvoir se mériter un titre, une chance au titre de la WWE. De Seth Rollins, oui. C'est ça. Donc, par la suite, on parle de des ceintures, les champions par équipe Damien Priest ainsi que Finn Balor vont affronter nul autre que les Australiens. Les British New Catch Republic. Ouais, c'est ça. Pete Dunne et Tyler Bate qui ont été champions chacun NXT UK à l'époque. Là, on parle de ces combats-là, mais on va revenir là, sur nos prédictions. Et ensuite de ça, vu qu'on parlait de Judgment Day, on va parler de Mami qui affrontera nul autre que le mastodonte Nia Jax, qui est revenu récemment et puis s'est fait éliminer par... Jade Cargill lors du Royal Rumble de cette année. Donc, je m'attends un peu à n'importe quoi lors de ce combat-là. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Match de shape féminin, si on le sait. Exact. On espérera qu'il n'y aura pas de blessure. On sait aussi que Charlotte Flair est absente due à une blessure au genou. Oui, blessure très grave à part de ça. Exactement. Elle a passé sur le bistouri, comme ils disent. Exactement. Par la suite... L'Elimination Chamber féminin qui opposera... Montre-donc un peu. Yes! Qui opposera... Attendez, ça va être Becky Lynch, Bianca Belair, Liv Morgan, Tiffany Stratton, Naomi et Raquel Rodriguez. La gagnante se mesurera face à la championne actuelle ou peut-être la nouvelle championne, soit Mami, Rhea Ripley ou Nia Jax. Yes. La Women's World Championship. Qui crois-tu qui pourrait remporter ce combat-là, mon Ben? Bon, en tout cas, moi, j'ai deux choix dans ma tête, soit Becky Lynch ou soit Bianca Belair. Ben, je vois personne d'autre, honnêtement. Ouais, ben non, puis Liv Morgan vient de revenir. Elle a eu sa chance à plusieurs reprises.
Raquel Rodriguez la petite demoiselle là, en blond du nom de Tiffany Stratton. Tiffany Stratton sont trop jeunes là, pour ça. Pas encore assez d'expérience, à mon avis. Et puis Naomi qui vient de revenir de la TNA. Donc oui, ça serait un bon plan, Ben, qu'une de ces deux superstars de la WWE, diva de la WWE, remporte ce combat-là. À mon avis, Ben, oui. Je pense que ça va être du côté de Bianca Belair. Et pourquoi? Parce que ce que je m'attends, c'est que... corrige-moi si je me trompe. Moi, ce que je pense, c'est qu'il va se passer quelque chose dans le combat entre Nia Jax et Mommy. Une intervention, quelque chose du genre. Puis que finalement, on aurait peut-être droit à Mommy contre Jade Cargill. Puis Nia Jax contre Bianca Belair. Ça pourrait se faire. Ou un four-way. Peut-être. Tu sais, ça pourrait peut-être avoir... ça aurait du sens un peu. Ça ferait comme... deux heels, deux faces. Parce que là, c'est un match de heels. C'est un peu bizarre. Là. Mais Rhea Ripley, vu que c'est en Australie, elle va sortir face. C'est certain. Ouais, ça, c'est certain. Même si heel, elle va sortir face. Ouais. C'est coulé dans le béton. Là. Yes. En ce qui concerne le chamber masculin... Ouais. Ce qui peut arriver, moi, j'ai dans ma tête, vous allez peut-être me trouver fou, mais peut-être LA Knight. Tu penses? Ouais. Ouais. Un face qui battrait Seth Rollins à WrestleMania, puis là, Damien Priest viendrait cacher. Ou Damien Priest va décider de cacher juste avant pour annoncer WrestleMania, il va vouloir cacher, ça va faire un triple threat entre les trois, peut-être. C'est ma prédiction. Ben, ça pourrait. Ça pourrait être ça. Mais moi, de mon côté, je suis pas encore décidé, mais Randy Orton et Drew McIntyre, surtout Drew McIntyre, le mérite amplement. Oh, ça serait son temps, honnêtement. Il le mérite vraiment beaucoup. D'ailleurs, tu sais, The Rock est un peu venu, tu sais, comme tasser un peu ces héros-là qui avaient déjà une prestance puis qui avaient déjà beaucoup de travail de mis de l'avant, tu sais. Fait que je pense que Drew McIntyre pourrait être ça, c'est mon humble avis. On verra bien ce qui se passera du côté de l'Australie ce week-end. Pour ce qui est du combat par équipe, Judgment Day va garder Astra. Tu penses? Ben oui. Ils sont là pour être champions longtemps, ouais. Eux autres. Ben, moi, je suis pas d'accord avec ça. Ben, moi, je pense que c'est correct. C'est le fun qu'on n'ait pas les mêmes opinions. Les deux autres gars vont sortir super face, fait que ça serait vraiment cool que les gars soient champions. Mais ils peuvent leur part de Raw le lendemain. C'est ça, oui, c'est ça. Ben... Tu sais, des fois, tu gagnes, comme l'Intercontinental, souvent, là, mettons, le gagnant, il va gagner à WrestleMania, puis il leur part le lendemain à Raw, ouais, ça arrive souvent. C'est arrivé, oui, c'est sûr. Ça arrive à Zack Ryder, d'ailleurs. C'est ça. Puis pour le segment, toi, tu penses qu'il pourrait se passer quoi dans ce segment-là, mon ami? Ouais, ben ça va être probablement. Ben, d'un, c'est ça, un talk show, c'est comme un Piper Spit, là, c'est sûr que ça va virer en combo ou en claque sa gueule. Là. The Rock, Roman Reigns, c'est ça, vont être impliqués. Ben moi, ce que je pense, c'est qu'il va arriver un petit peu le même genre de scénario qui s'est passé lors de WrestleMania avec Stone Cold Steve Austin et du côté de Kevin Owens où ça l'a évolué en combat. C'est ce que je pense qui va arriver, mais on peut s'attendre à n'importe quoi. Il y a beaucoup de rumeurs en ce moment qui circulent. On parle de Steve Austin, on parle de The Rock, on parle de Roman Reigns, on parle, écoute, à toutes les semaines, il sort quelque chose de nouveau. Je trouve ça vraiment... c'est curieux. Je garde des choses en secret. Je parlais tantôt, Zack Ryder, la step intercontinental. Je vais revenir sur la step intercontinental. Oui, vas-y, mon ami. J'ai lu à quelque part que Gunther... n'est pas dans le show parce qu'apparemment, il y a des problèmes avec l'immigration. Je ne sais pas si c'est une passe de passeport ou il a-tu commis un crime en Australie, je ne sais pas. Là. OK, oh, OK. Ben, j'ai lu ça quelque part. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Des fois, tu en prends puis tu en laisses. Non, ce que tu dis, c'est sûr que c'est un peu... Ben, ça se peut que ça soit... Mais ça aurait été le fun qu'elle défende, par exemple. Ben, oui, c'est sûr. J'ai aimé ça, moi aussi. Là. Puis moi, c'est un militaire préféré. Paraît-il que lundi dernier, Jey Uso était censé gagner, mais ils ont changé le scénario à 18h. Ouais, mais comme je t'ai dit, on en a déjà parlé. Ouais, on en a parlé.
Toi, qu'est-ce que tu en penses de mon thinking qu'on a eu cette semaine? Ou est-ce que je me disais, Ben, est-ce que tu penses qu'une équipe créative qui font juste écrire des fake news? Peut-être. Pour essayer de... Ils écrivent bien ce qui fait l'affaire du groupe TKO, c'est ça? Ben, ils écrivent ce qu'ils veulent en réalité, puis là, ben, ça part dans tous les sens. Parlez-en bien ou en mal, mais parlez-en, puis pendant ce temps-là, on ne parle pas des EW. Ouais, il y a ça, c'est fait que, tu sais, en ce moment, je pense que c'est... Mais on va revenir à EW. Oui, on est rendu à une nouvelle ère aujourd'hui, tu sais. On n'est plus à l'ère attitude era, où est-ce que... Les codes d'écoute, ouais. C'était les codes d'écoute. Maintenant, les codes d'écoute sont sur Internet. Beaucoup plus. Les gens consultent sur Internet. C'est pour ça qu'il y a beaucoup... Il y a des sites pirates aussi. Il y a des spoilers, il y a des fake news, il y a plein de choses qui sortent. Parlez-en bien ou en bien, je me répète, mais parlez-en. Puis plus que la WWE vont sortir des nouvelles, même si c'est pas vrai, ils vont la sortir pareil, juste ouais. Pour faire attirer l'attention vers leur promotion, vers le groupe TKO. Ça. D'ailleurs, à propos du groupe TKO, je sais pas si tu as entendu parler, mais il semble qu'il y aurait peut-être un combat UFC lors de WrestleMania. Ouais, il y a pas un qui a fait un ancien gars de l'UFC qui a fait un genre de promo. Là. Ben, c'est ce que je pense, parce que là, Michael Chandler, c'est ça. Il y a Conor McGregor lors de Raw. Fait que des matchs de UFC qui viraient en feud comme à WWE, sauf que là, il se fasse sa gueule pour de vrai à UFC. Ouais, c'est mais ça serait cool, pas... Là. Je sais pas si ça pourrait... Parce que là, en ce moment... je me cacherai pas pour le dire, je suis un peu abasourdi sur le fait que la WWE, on est à un mois et demi de WrestleMania, ouais. Et puis si vous fouillez un peu sur Internet, il n'y a pas beaucoup de combats d'annoncés. En ce moment, si je ne m'abuse, il y a à peine le combat de Bayley et de Cody Rhodes. C'est les seuls combats qui sont en ce moment annoncés. J'ai rien vu d'autre, là, à moins que je me trompe. Dans l'annexe, si tu vas sur Wikipédia dans l'annexe, là. Oui. Tu sais, la petite fenêtre, là. Yes. On monte en haut. Yes. Tu vas dans. Tu vas ici, là. Ici. Là. Oui. Ça, c'est... Ben, là, clique sur NXT, mais après ça, ça va être WrestleMania. OK, bon. WrestleMania Excel. Oui, OK, c'est bon. Tu cliques là-dessus, là, les matchs, il doit en avoir, là. De... Ben, c'est ça, il n'y a rien. En ce moment, il y a Seth Rollins contre. On ne sait pas. Rhea Ripley ou Nia Jax contre. On ne le sait pas. Puis il y a Io Sky contre Bayley. C'est les seuls combats. C'est ça que je te dis. C'est les seuls combats qui sont annoncés. Puis il y a. Roman Reigns contre Cody Rhodes. Oui, il y aurait Roman Reigns contre Cody Rhodes. Dans la deuxième soirée. Dans la deuxième soirée. Mais sinon, en ce moment, il n'y a rien. Hey, on est à un mois et demi. Ouais, mais là, ça va se développer. C'est fou quand même, Ben. Tu te rends compte que les billets de WrestleMania sont pratiquement tout vendus. Ouais. Je regardais, là, il restait à peu près peut-être 350 billets. Ils vont avoir quoi? Bon, 70 000 personnes faciles. Ah ouais, mais ça va être... Le stade des Eagles de Philadelphie, c'est quand même assez gros. Les billets sont extrêmement chers. Je regardais, là, ça startait à 800-900 jusqu'à près de 10 000 $ là. Comme que choc, Metallica au stade olympique. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Changement de sujet. US, là, ben US. Oui, c'est ça. Changement de sujet, tu voulais parler aussi de... je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la saison 3, on a interviewé nul autre que Yvon Barrette, qui était acteur pour le film de Slapshot. Denis Lemieux, le goaler. Ouais. Oui. Il y en a un cette semaine, j'ai nommé l'acteur Paul D'Amato qui a incarné le chirurgien Tim McCracken, parce qu'entre ses mains, un bâton de hockey devient un bistouri, il peut vous décoller une oreille en un petit coup de poignet. C'est ça. Ouais, il est décédé cette semaine, c'était beaucoup ses réseaux sociaux. RIP Paul D'Amato et Tim McCracken. Yes. Par la suite, revenons à la WWE. En fait, on voulait discuter un peu, on voulait brainstormer sur l'histoire de McMahon et Brock Lesnar. Toi, t'en penses quoi de cette fameuse... Vous n'êtes pas sans savoir que ces deux messieurs ont été effacés de l'historique de la WWE, du moins tant que le nom ne sera pas blanchi à cause de la controverse. Là. Tout à fait. Puis j'ai su de sources sûres qu'ils ne seront pas dans le jeu WWE 2K24. Oui, exact. On verra bien. C'est une photo particulière. Quand on regarde ça, là, le visage et les yeux en disent beaucoup. Ça semblait...
Surtout que Stéphanie pleure au milieu. Oui, c'est particulier. D'ailleurs, tu voulais parler, tu m'avais parlé de quelque chose. Encore, Lynn, à cause de Stéphanie. Non, mais ça, ça fait longtemps, ça. McMahon, il ne voulait pas faire une storyline qu'il aurait fait de l'inceste à Stéphanie. Une chance qu'elle a refusé. Non, ça n'a pas de bon sens. Ah, imagine que ça serait devenu. Non, mais ça n'a pas de bon sens. C'est aussi pire que les Gabriel, sinon pire. Puis j'ai lu aussi à certains endroits que c'est arrivé à plusieurs reprises que Vince McMahon forçait les filles à suiler les parties du corps champ volupté, comme on peut dire. Et puis, ouais. Juste la première fois que Edge a gagné à strap, voyons, New Year's Revolution 2006, le lendemain, ils ont fait une affaire dans le lit avec Lita sous le ring. Ben oui, il a obligé Lita à être en tenue légère dans le lit, sinon il menaçait de la congédier. Ça, puis aussi des allégations avec Tori Wilson que j'ai vu passer, parce que, puis avec... Sable a aussi été forcé à en montrer plus que pas assez, comme on dit. Ben, je me souviens, à une certaine époque, Sable, elle avait juste des mains de collées. Ouais, pour les loadettes 98. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, bref, c'était un truc de cul. Fait que, c'est ça. Ah, disons que, comme on dit, c'est pas parce qu'il est milliardaire qu'il est au-dessus des lois. Ben non, c'est pas parce qu'il est milliardaire qu'il est, il est blanc comme neige. Là. Bon. Changeons de sujet. Récemment, ben en fait, hier, sur les médias sociaux, Ace Frehley, l'un des membres d'origine, le guitariste. Le plombier, mesdames et messieurs. Ouais, c'est ça. Le guitariste de Kiss, le premier membre de guitariste de Kiss, Ace Frehley, a sorti un nouveau single qui s'appelle Cherry Medicine. Et aujourd'hui même, il a sorti son album qui s'appelle 10,000 Volts. Donc, allez voir ça, ça vaut la peine. Parce que nous autres, malheureusement... super de beaux visuels, mais malheureusement, on ne peut pas vous mettre d'extrait à cause des droits d'auteur. Mais sachez qu'on a des belles surprises qui s'en viennent prochainement qu'on ne peut pas dévoiler, mais simplement qu'on peut vous dire quand même que Ace sort son album le prochainement. Donc, ça risque d'être... Ben, prochainement, mais il est sorti son album, mais je veux juste revenir à Cherry Medicine qui est sorti en single. Ouf, désolé, il y a le chat en arrière. Désolé. Ça se peut que vous l'entendiez un petit peu. OK, le 23 février dernier, dans le fond, aujourd'hui. Yes. Parce que là, à cause du décalage du Japon, là, Riddle, l'ancien superstar de la WWE, a remporté le titre face à Hiroshi Tanahashi, le titre télévision de la NJPW yes. à Sapporo, Japan. Yes. Un match qui promettait, disons. Oui, tout à fait. Et puis... par la suite, on voulait vous parler un petit peu de Dino Clavet qu'on a reçu récemment en entrevue. Comment tu as trouvé cette expérience-là avec M. Clavet? Ben, comme je le dis, vous allez l'entendre dans l'entrevue, j'ai adoré. Moi, c'est un honneur parce que Omerta, c'était ma série préférée. Yes. Ça a été un honneur d'interviewer un comédien qui a joué là-dedans. C'est sûr, j'aurais aimé interviewer Michel Dumont, Michel Côté, mais malheureusement, ils ne sont plus. Yes. Ben, ils ne sont pas morts. Ah oui, ils sont morts. Michel Côté. C'est vrai, Michel Côté, ben oui, tabarnak. Claude Blanchard et tout, il est mort. Ben oui, il y en a plusieurs qui sont morts là-dedans. Là. Par la suite, du côté de Québec, au Centre Vidéotron, mardi prochain, aura lieu l'événement de Pantera le 27 février. Donc, on va être sur place pour couvrir l'événement. On est très fébrile à l'arrivée de Pantera qui n'est pas revenu depuis... Crément, 94, quasiment. Ouais, c'est fait un bout. Sont-ils tous venus à Québec? Ils sont venus à Montréal, mais à Québec? Non, je pense que c'est la première fois, mais en tout cas, s'ils sont venus, ça fait vraiment longtemps. Oui, puis il y a Lamb of God qui fait la première de Pantera. Tout à fait. Il ne faut pas oublier. Très bon look. Chris Adler, comme au drum, ça va brasser, c'est un méchant temps avec son drum Mapex. Par la suite, un mois plus tard, on se transporte... encore une fois, au Centre Vidéotron qui présentera AEW Dynamite et Rampage. Les lutteurs confirmés sont Adam Copeland, Chris Jericho, Saraya, Christian Cage, Kenny Omega, Will Ospreay et plusieurs autres. On a vraiment très hâte de vous y voir. Ça va être le même genre que ce qu'il y a eu le 6 décembre dernier au Centre Bell, mais à Québec, au Centre Vidéotron. Yes.
Alors, ben, je pense qu'on a fait le tour de nos potins. Yes, de nos petits potins, notre bulletin mensuel. Ne manquez pas, prochainement, il va y avoir notre entrevue de Dino Clavier qu'on va, d'ici quelques jours, il reste quelques petites modifications à faire. Mais... Tout à fait. Alors, on va vous partager ça. Là. J'ai fait mon possible pour vous partager ça le plus tôt possible. J'imagine qu'en début de semaine, on va être en mesure de vous présenter tout ça. Alors, soyez des nôtres pour un prochain WrestleRock podcast. L'action ne manquera pas. Au revoir. Merci, Ben. Plaisir.